Hey les gars, voilà, c'est toujours moi de Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc si c'est la première fois de voir ma vidéo, essayez d'abord de vous abonner, voilà, et essayez aussi de me donner une pouce bleu, c'est-à-dire liker la vidéo avant de la suivre. Voilà, donc ça, j'avais déjà fait une première vidéo et j'ai mis le lien en commentaire là-bas. Et donc j'avais demandé comme ça pour ceux qui veulent postuler, ils peuvent me devancer et puis moi après je vais faire une vidéo et voici la vidéo qui vient. Alors sachez que nous sommes sur la bourse de l'Inde qui concerne la culture indienne. Donc j'avais déjà dit que cette bourse-là ça concernait que les arts. Voilà, quand j'ai dit art, faut comprendre par là la cuisine, la musique, tout ce qui tourne autour de là. Voilà, j'espère que vous comprenez. En termes de médias, communication et tout ça. Voilà, donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour ceux qui veulent vraiment, qui sont vraiment intéressés à pouvoir postuler à ça. Voilà, actuellement il y a une petite ouverture de frontières en ce qui concerne l'Inde. Donc essayez comme ça de postuler aux bourses pour ceux qui sont déjà intéressés. Donc si je viens par exemple ici dans bourse, ici, voilà, si je viens dans bourse là, je clique sur bourse. On va voir un peu les paramètres pour pouvoir postuler à la bourse que nous voulons. Donc ici, par exemple, régime d'autofinancement pour les étudiants, bourse d'études en Inde 2021, bourse agricole, bourse ICRR pour la culture indienne. Donc nous sommes actuellement ici. C'est cette bourse-là que nous voulons postuler. Donc on va cliquer sur cette bourse-là. Sinon, on voit qu'il y a plusieurs types de bourses. Voilà, mais pour l'instant, c'est ce qui est là. C'est ce qui nous intéresse. Voilà, donc, comme je vous l'ai dit, pour postuler à cette bourse-là, il faut être entre 18 et 30 ans. Voilà, le candidat doit être âgé de 18 ans à 30 ans. Voilà, donc, et ici, on nous dit comme ça que les intéressés peuvent postuler en ligne via le portail qui est là. On va aller là-bas, mais pour le moment. Je suis en train de vous montrer un peu les éléments qu'il vous faut pour pouvoir postuler à cette bourse-là. Et donc, qui sera opérationnel du 25 janvier. Ce sont les éléments qui sont vraiment importants. Du 25 janvier 2022 au 30 avril. Donc, ça veut dire que la date limite, c'est le 30 avril 2022. Donc, ceux qui veulent postuler, c'est déjà une grande chose de pouvoir le faire. Et ici, les candidats peuvent opter pour 5 universités. Ceux qui ont déjà suivi ma première vidéo, vous allez comprendre que j'ai déjà signifier tout cela. 5 universités ou instituts par ordre de préférence. L'admission dans la mesure du possible sera donnée selon la préférence du candidat. Cependant, il peut y avoir des scénarios où les candidats ou les étudiants ne sont pas admis dans les universités préférées en raison du nombre limité. Donc ça veut dire que vous allez choisir, c'est vrai que vous allez choisir 5 universités, mais si pendant la sélection il y a des personnes qui sont déjà qui ont un bon dossier devant vous. Ils peuvent occuper l'université, votre université préférée. Vous comprenez? Ils peuvent occuper votre université préférée. Et s'ils occupent votre université préférée et que parmi les 4 universités qui restent, vous pouvez encore aller là-bas, alors ils vous trouveront une place dans ces universités-là. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris cela. Pour vérifier la maîtrise de l'anglais du candidat, un essai de 500 mots en anglais a été introduit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de mettre un certificat en anglais. Voilà, il y aura un essai de 500 mots. Voilà, ou bien une motivation de 500 mots que vous devez écrire pour confirmer que vous êtes bien en anglais, ou confirmer que vous comprenez l'anglais, mais c'est seulement que vous n'avez pas de certificat. Sinon, ça ne change rien. Il est conseillé aux candidats de visiter régulièrement le site web de l'université ou bien de l'institut respectif pour les cours proposés, les critères d'éligibilité et les formations générales. Voilà, donc, c'est-à-dire avant de pouvoir postuler, essayez de vérifier au moins l'université sur Google, voilà, comme vous pouvez. Et puis, vous allez savoir un peu quelles sont les matières que ces universités-là ont. Des lignes directives détaillées sur le processus de demande de bourse, ils sont disponibles sur le portail qui est là. Ok, il est obligatoire pour tous les candidats de bourse sélectionnés de souscrire une police d'assurance médicale avec une somme minimale assurée pour les roupies indiennes 800 par an avant de se rendre en Inde ou immédiatement
après avoir atteint l'intre. Voilà. Mais je crois que la meilleure option, c'est de faire votre assurance médicale chez vous. Voilà, pour ne pas avoir de problèmes en arrivant là-bas. Voilà, donc, c'est ce qu'ils ont dit. Alors, je vais essayer d'aller voir sur le site pour pouvoir essayer de faire l'enregistrement et postuler pour l'admission à cette bourse-là. Donc, comme je l'ai dit, ceux qui sont vraiment intéressés, vous pouvez nous contacter. On va essayer de le faire ensemble et on va ici aussi essayer de le faire pour vous selon nos conditions et puis selon aussi vos conditions. Voilà, donc c'est une manière de s'entraider. Donc ceux qui sont vraiment intéressés, voilà, nous sommes disponibles, il n'y a pas de problème. Ok, donc ici d'abord, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord essayer de s'enregistrer. On finit de s'enregistrer, après cela on va commencer à postuler à la bourse. Voilà, donc ici par exemple, comme ça, ici c'est connexion au portail de bourse. Ici, identifiant, ça c'est pour ceux qui sont déjà enregistrés, vous comprenez? Voilà, maintenant, si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire ici. Donc on va d'abord s'inscrire et puis après on va essayer de faire quoi? De postuler pour aller sur le portail et essayer de remplir pour la bourse. Donc ici, on va d'abord s'enregistrer, hein, tu vois. Donc vous cliquez sur l'élément qui est là pour vous enregistrer. Ok, donc pour s'enregistrer, je viens là et puis ici pour postuler pour ici, vous cliquez là, postuler pour EG sur le programme de bourse de l'UCSR. Voilà, donc ici PG sur le programme de bourse de l'UCSR. Ici, sur le programme de bourse, le GSR, avec les gros, donc le premier, vous pouvez prendre le premier comme ça. Si vous faites par exemple comme ça, si vous venez, je vous ai dit cette bourse-là, j'ai oublié de préciser, cette bourse-là, c'est pour le master et la licence. Vous comprenez? La licence et le master. Donc ici, vous pouvez prendre ici, ici c'est la licence, ici c'est le master, ici c'est le PhD. Vous comprenez? Donc, vous pouvez prendre la licence ici. Voilà. Et votre nationalité, vous choisissez votre nationalité. Si moi je dois prendre Côte d'Ivoire, c'est pas Côte d'Ivoire, alors c'est Ivory Coast. Il y a Côte d'Ivoire. Ok, le nom complet de l'étudiant, je vais choisir comme ça un prénom. Ok, le nom complet, le nom et le prénom. Le nom et le prénom. Ok, donc ici le sexe, homme, date de naissance. Donc si je viens par exemple pour la licence, je vais considérer que je suis né en 2004 ou bien 2005. Voilà, en 2004 ou bien 2005. En 2004, voilà. C'est le minimal pour ceux qui sont nés entre 18 et puis entre 18 et 30 ans. Voilà, je crois que si c'est 18 ans, alors ça doit faire 2004. Voilà, je vais être né en 2004. Donc je considère que j'ai 20 ans, alors je suis né en 2002. Ok. N'oubliez pas, la date pour pouvoir postuler, c'est entre 18 ans et 30 ans. C'était déjà précisé là-bas. Voilà, donc n'oubliez pas. Et ici, le numéro de téléphone, ils disent que c'est important. Donc, il faut préciser aussi avec l'indicatif. Donc, l'indicatif chez moi, c'est quoi? C'est plus 7. Bon, je vais prendre pour la Côte d'Ivoire. Plus 225. Plus 225. Ça devient Côte d'Ivoire en même temps. Plus 225. 44. 59. 33. 12. Ok, donc ici le numéro du passeport. Donc AR 123 98. Ok, identifiant messagerie, c'est ce qui est plus important aussi pour pouvoir continuer. Donc je mets mon mail.
Ok. Donc ici je mets mon mot de passe. Le mot de passe, je vais utiliser ce qui est là, c'est déjà complet. Je vais utiliser déjà ce que eux-mêmes ils m'ont donné pour ne pas rester sur le mot de passe. Mais néanmoins, vous voyez les conditions du mot de passe qui sont là. Voici les conditions qui sont là. Donc essayez de voir ces conditions-là et puis essayez de les respecter. Au fur et à mesure que vous mettez le mot de passe, vous allez comprendre que les éléments qui sont là vont passer en vert. Ça veut dire que vous avez bien rentré ce mot de passe-là. Donc ici, séjourne actuellement en Inde, vous mettez non. Ici, entre le texte ici, le texte qui est là, c'est quoi? C'est T, G, F, F, K et le L en majuscule. Le L en majuscule. Donc, maintenant, on va envoyer pour s'enregistrer. S'il y a un souci, ils vont nous dire, on va aller corriger. Donc, je crois que inscription des étudiants, programme. Ok, je crois que ça va. Voyons voir si nous sommes enregistrés. Si c'est pas fait, on sera obligé de reprendre. Passer au compte principal. 1, 2, plein de sites. Ok, je vais essayer de reprendre pour voir. Inscription du candidat ou bien connexion. Ok, un instant que je vérifie si nous avons bien rentré. Je vais aller voir si je vais comme ça dans ma boîte email pour voir si j'ai reçu un message. Voilà, parce qu'on ne sait jamais. Les sites peuvent ne pas fonctionner comme ça. Et lorsque vous allez partir sur le site, vous allez dans votre mail, vous allez comprendre qu'il vous envoie un message alors que vous allez encore reprendre votre admission plusieurs fois. Vous voyez là, c'est comme je vous le disais, ils m'ont déjà envoyé un message, vous comprenez? Alors que là-bas, vous voyez qu'ils n'ont rien précisé là-bas. Mais lorsque vous finissez, si c'est bien fait, on vous envoie un message, vous allez confirmer pour pouvoir continuer à postuler, vous comprenez? Donc, si vous avez bien remarqué, ils n'ont pas envoyé de message. Voilà, ils n'ont pas envoyé de message. Ils ont carrément envoyé un élément encore neutre, une page encore neutre. Mais néanmoins, allez-y vérifier votre mail parce que vous avez bien fait et vous avez postulé. Donc, ici, maintenant, on vous dit que pour pouvoir confirmer votre email, vous devez cliquer sur le lien qui est ici. Donc, ici. Thank you for your registration in A2 Scholarship Portal. You have to activate your account and then login for applying online. Donc, ici, login is what? Your password, what choose during registration? Please click the action below to activate. Donc, on va cliquer ici pour activer et aller directement sur le site pour pouvoir continuer. Ok, donc, nous sommes là. Et j'espère que j'ai bien enregistré mon mot de passe dans ma tête parce que si c'est pas le cas, ça sera vraiment compliqué. Mot de passe suggéré ici, please you enter to begin the site. Si je n'ai pas entré mon mot de passe, ça sera compliqué. Ok, on y va. Ils m'ont suggéré un mot de passe que je vais utiliser. Voilà, donc je crois que ça va pour moi. Ok, maintenant. Une fois que j'ai fini là, je vais maintenant chercher à remplir les conditions et aller postuler. Application editing will be available in case of university failed any problem your application. Ok. Donc, on va essayer maintenant pour aller postuler, pour voir un peu comment est-ce qu'il faut faire et puis comment est-ce que vous postulez. Donc, je vous reviens à tout à l'heure et n'oubliez pas. Essayez de me donner une pouce bleue. Tout à l'heure, je vais continuer pour que vous sachiez au moins comment ça se passe. Donc, à plus les gars.